sur la puissance de la conviction. Power of conviction. Comment un homme qui en a de fortes convictions dans ce qu'il y croit, comment sa personne est fort devant n'importe quelle situation de la vie. La puissance d'un homme qui croit dans les choses dans lesquelles il dit qu'il y croit. Nous pouvons lire un texte pour nous capables d'expliquer ça. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 13. Mais nous pas pour commencer verset 13, nous pour commencer un petit peu là-haut. Disons verset 5 jusqu'au verset 13, Actes des Apôtres. La puissance de la conviction, la puissance d'un homme, d'une personne remplie de conviction. Power of Conviction, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13. Nous commençons verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne. Anne, c'était un homme. Hein? Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ?» Regarde sa question là. Une question bien précise, bien pertinente. Quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Qui derrière eux? Qui donne eux l'autorité? Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, c'était le boiteux du chapitre 3, afin que nous disions comment il a été guéri. Rappelle, Pierre, il y a cet homme, mon pena ni eau ni argent, mais c'est qui moi me donne toi, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et est-il levé, le petit boiteux de naissance, il s'agit de lui là. Sachez-le tous, virgule. Sachez-le tous veut dire connaît. Zote bizin connaît moi qui peut dire zote. D'accord? Les déjà là nous trouvons l'assurance, t'as peine à hésitation là. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, connaît. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Crois autre pas croire, voilà qui m'a dit à autres, ça c'est la vérité. Amen. Il peut dire ça, ça va un pharisien là. Et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Verset 13, c'est ça nos versets de ce matin. Puisqu'il vit l'assurance ou la conviction, amen, puisqu'il vit l'assurance, lorsqu'il vit l'assurance, la conviction, la fermeté, dans une cause qu'ils ont pu dire, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Verset 18 à 21. Je te fais abana sorti. Pierre, Jean, Aldéo, Antigui, dans l'autre la chambre là-bas. Dans notre comité, je te causais entre les autres qui pouvaient faire abana là.
Les autres disent rentrer à terre, nous ne finissons pas de débattre. Nous pouvons dire nos décisions. Pierre et Jean rentrent à la qu'ils ont dit à terre. Fini délibérer là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent devant Pierre et Jean. Pierre pour répondre là, hein? Mais nous sommes capables de dire à eux, mais eux, ils demandent Pierre par quelle autorité eux faire ça. Eux sont capables de répondre, mais toi par quelle autorité tu empêches nous? Par quelle autorité tu empêches nous? Ça, quel période de l'autorité de ce camarade, quand on fait que tu en es allé là, des royaumes. Et les ayant appelés, ils leur défendirent. À qui droit vous tenez? Ils leur défendirent absolument encore. Pas si défendent absolument. Vous êtes l'autorité suprême dans le pays de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Correct? Pierre et Jean, Pédébout, répondent vous. Donne-vous. Réponse. Zot fin défend absolument. Zot question, c'était qui l'autorité? Zot fin guérit sa dimoun là. Pierre répond. La force contre la force là, hein? S'en est drain contre la faute là. Jugez si les justes, zot même jugez, devant Dieu. Amen, zot devant bon Dieu. Pierre amène zot devant bon Dieu. Des suites. Pierre amène autres devant bon Dieu. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler. Terrible ça. Faux. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Verset 21. Ils leur firent de nouvelles menaces dans vide, pas capable d'arrêter sa bande de monde comme ça là. Ils les relâchèrent. Qu'est-ce que c'est cette jolie phrase qui vient là? Ça me content. Pas connaît qui peut faire aux autres. Joli, hein? Ne sachant comment les punir. Ou pas capable d'arrêter un homme qui connaît sa conviction, qui connaît leur guiline, quoi, il est convaincu. Il faut, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Power of conviction, puissance de la conviction. Un homme convaincu, un homme qui connaît dans qui il croit. Un dimoun qui croit dans les choses dans lesquelles il dit qu'il croit. Beaucoup croient qu'ils ont pu croire dans certaines choses qui en fait ne veulent pas vraiment me croire. Vous devez suivre moi? Beaucoup pas croire vraiment dans les choses dans lesquelles je dis à autres croire. Mais l'homme qui croit dans les choses dans lesquelles il croit, il est convaincu. Cet homme-là, c'est un homme fort. Amen. Et nous, il s'agit ici de la des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et de Jésus-Christ lui-même, la personne de Jésus. Alors, pour être fort, ferme dans notre marche avec le Seigneur et dans la vie de chaque jour, il nous faut être des hommes et des femmes de conviction. Nous fait quand on a une prophétie là. Et ce matin, nous avons un message qu'il y a deux royaumes. Royaume de Dieu, le royaume de Satan, nous ne pouvons pas amorcer dans tous les dés. Nous ne pouvons pas un lipier l'autre toit, un lipier l'autre chemin. Et sa prophétie-là vient direct là-dedans. Et Cézanne disait ça avec une telle conviction, avec telle émotion, qui t'obéissait, choisir. Tu n'as pas capable d'amorcer dans des semaines. Prédication ce matin, Jean-Marc qui n'a porté, c'est qui m'obéit des autres maintenant, c'est qui Cézanne prophétisait. Nous ne pouvons pas consulter nous. Mais c'est la même chose, pas capable de continuer comme ça. Tu as besoin si tu es toi. Quitte-toi, toi. Quand tu étais, qui te peut faire, quand tu peux aller. Amen.
te crois dans les choses qui te croient ou bien. Alors, pour être fort et ferme, nous aimons nos hommes de conviction. Amen. La semaine dernière, quand on termine là, le message, moi, tu dis à Zot, que la conviction, il y a le plus loin que la connaissance. Et que la simple, pas simple connaissance, mais la connaissance seulement. Understanding, comprend, knowledge. Et une somme de connaissances, il n'y a pas suffit. La connaissance ne suffit pas. Si toi arrêtes avec la connaissance, il fait un gros la tête bien remplie avec ta connaissance. Mais la connaissance, c'est bon parce que nous besoin. L'ignorance de la loi, ce n'est pas une excuse. Hein? Faire une faute dans la rue, après dire policier, là, ou pas tu connais. Il est capable de soit aller, il dit mon garçon, ou pas tu connais, mais fais manière, connais. Pas rentrer ici. Bonne tri. Ignorance de la loi n'est pas une excuse. Vous connaissez, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Alors, un homme convaincu, c'est un homme fort. Il connaît dans les choses dans lesquelles il croit. Alors, qui nous fait dire là? La connaissance importante, l'ignorance n'est pas une excuse. Mais la connaissance seulement ne suffit pas si sa connaissance-là n'est pas à amener nous dans un état de conviction, nous n'apprendre, mais nous convaincus au fond de nous. Je peux suivre moi là, n'est pas une connaissance qui remplit moi la tête, moi je dis, ah, moi connais beaucoup, qui ça fait, tu connais sa quantité-là, tu n'es pas convaincu dans ton cœur. Parfois nous trompons nous-mêmes. Ainsi, la conviction, il y a le plus profondément et plus loin qu'il y a une connaissance. C'est la connaissance même qui amène l'ISA. Amen. Et quand nous cause conviction, d'abord, il y a une signification de conviction qui, moi, pour dire aux autres là, mais qui nous pas pour étudier aujourd'hui. Ce n'est pas nos cas. Quand quelqu'un est convaincu de sa culpabilité. Pas vrai? Nous amène une évidence devant lui. Nous avons fait nous montrer qu'il est vrai même coupable. Alors, l'étant nous dit à lui, nous mettre ça en évidence là, cet homme est convaincu devant tout le monde qu'il est coupable. Tu comprends? Ça, c'est une explication de conviction. Mais moi, mon papa rentre là-dedans, dis-moi. Ce n'est pas ça mon sujet. Mon papa rentre dans conviction, dans ce sens de connaître. Convaincu qu'il savait vrai. Pour expliquer ça, nous dit un autre qui te sauve encore. Le Seigneur dit, hein, beaucoup dans Jean chapitre 16, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Dans l'évangile de Luc chapitre 24, qui nous finit d'étudier plusieurs fois, les disciples d'Emmaüs, quand ce découvert que l'étranger était Jésus, au moment où il rompt le pain, je trouve sur la main percée, ce vrai visage, le Seigneur disparaît devant eux. Vous connaissez ça, les disciples d'Emmaüs. Je retourne à Jérusalem pour raconter aux apôtres, le Seigneur est vraiment ressuscité, il finit apparaître à nous. En allant, je dis à tous les deux, notre cœur, vous connaissez ce passage-là? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Les dents, ça étrange, et là, tu peux causer aux autres dans le chemin, aux autres, lesquels tu peux brûler. C'est ça qui m'a dit aux autres. Sa conviction que le Saint-Esprit, quand nous dit comme ça, la conviction va plus que la simple connaissance. Soit connaissance n'est pas simple, mais qui fait sa différence-là? Le Saint-Esprit. Amen, dis amen, dis amen. Il convaincra le monde, le Saint-Esprit, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et c'est les disciples d'Emmaüs pour dire, notre cœur pas peut brûler au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin. Frères et sœurs, c'est ça qui, quand mot prêché, ben pasteur prêché, Jean-Marc et les autres pasteurs prêchés, les autres prédicateurs prêchés, nous convaincent dans une prophétie là. C'est la nine prophétise. Quelqu'un qui peut mort des côtés dans la salle là, il peut mort dans le monde, il peut mort dans l'église, il n'aime pas connaître quand il était. Moi, demande-toi, prends tes décisions. C'était tellement terrible, ça, sa prophétie là. Bien, Rome, on a une prophétie avec une telle puissance, frères et sœurs. Alors, là, frères et sœurs, nous besoin d'être confondés. Sa prophétie là, le Saint-Esprit prend l'île
tous, toi dans tous les cœurs, c'est lui qui amène sa conviction là. Diane, les là, toi, aller toute la journée, m'a prié pour toi, m'a prié qu'il te parle, récimence bien aujourd'hui midi. Moi, c'est là, pas rentré, tasse dans la gauze. M'a prié ce soir, tu vas pas dormir. M'a prié, tu vas une mauvaise nuit aujourd'hui. Et demain, te troubler par ce qu'il m'a fait dire et par sa prophétie là. Tu arrêter dans ce décoté. Tu mors dans sa semaine là. Amen. Alléluia. Je te rappelle, les temps Nicky Cruz, le soir, Lynn Wilkerson, Wilkerson dit, elle dit, tu es capable, coupe-moi petit bout, te mettre dans le chemin, mais ça, petit bout, pour dire à toi, Jésus t'aime, dit, just love you. Pas vrai? Parce qu'il dit à Wilkerson, si tu es costé, moi, coupe-toi petit bout. Mais Wilkerson répond, lui, ça cause dans sa réponse, ça, pas vrai? Il dit, tu es capable, coupe-moi. Mais chaque bout de moi, pour dire toi, Jesus loves you. Tu les laisses séparer. Il n'a pas dormi une nuit. Il roule à droite, il roule à gauche, le sol, il lit. Bandit, ça, Nicky Cruz. Revolver en bas sur le laurier. Pas vrai? Comme une tapasse. Ce col 45 dans ce lami. Pas vrai? Il n'a pas dormi une nuit. Il roulait à gauche, il roulait à droite. Il va en gavado, mais sa parole là, Jesus loves you and I love you too. Jésus compte en toi, mot compte en toi, mot compte en toi, Jésus compte en moi. Jésus compte en toi. Il n'est pas dormi, oh ça. Car matin, quand il levait, bonheur, il levait, il ouvrait la porte. Comment il ouvrait la porte? Qui s'en a trouvé 5h du matin, devant sur la porte? Wilkerson peut débouter. Il vient mad, dit mais ça va se faire la foi, moi je viens fou ça. Hein? Il n'y a pas de penser comment il a ouvert la porte de votre question. Je ne connais pas une question. Bon Dieu, quand il est vulnérable devant sur la porte. Pas vrai? Mais la pasteur là, il dit, tu n'as pas dormi à soi. Il dit, mais qui m'a dit qu'il ne connaît pas dormi sa boule là? Il dit, tu n'as pas dormi à soi. Je prie pour ne pas dormir. Je connais tu n'as pas dormi. Jesus loves you. Je dis, il est désormais là, il est converti. C'est pour moi, je fais une petite parenthèse pour dire à sa personne qui n'écoute sa prophétie là, qui ça bouleverse toi jusqu'à te sens et vous-même. Amen. Dis amen de tout. Nous continuons. Donc, c'est le Saint-Esprit qui, quand cette prophétie india ou bien cette parole peut prêcher, tous te l'équerre pour te capable de dire notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous. Amen. Alors, nous convictions besoin tellement puissante qui sa bonne conviction là parce qu'ils nous connaissent autres vrais et nous croient dedans qui motive nous encourage nous et ça surprend nous mêmes et les autres. Moi me donne gloire bon Dieu, moi pas t'appeler Thomas non pas à nous la gloire au Seigneur la gloire. Et il y a des choses qui dans ma vie m'ont fait bien souvent ça me dire comment frère Willy capable de faire ça. Avec ses amis, en somme, courage, persévérance. Parce qu'il nous convaincu. Vous êtes avec moi? Vous avez suivi moi là? Le contraire, c'est le doute. Le contraire, c'est le doute. Quand nous doutons. Nous lisons un passage, deuxième passage qui m'a aussi besoin de lire ce matin. C'est Matthieu chapitre 7, verset 24. Matthieu 7, 24 à 27. Ça passe à l'âge, il part sur le doute, ça passe à l'âge, il est sur la maison bâtie sur le sable et la maison bâtie sur le roc. Dès la case, en bâtie à l'eau, dit sable, en bâtie à l'eau, rose. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ça roque là même, sa même conviction là, ça nous scie dans qui nous croit.
La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Besoin est dans l'adversité. C'est l'adversité qui montre si pas faux, si pas faible, si pas croire, si pas pas croire. Pas pour qu'à pas éviter ça. Bon Dieu même permet ça. C'est le test qui montre ce qui est vrai, vrai. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Un homme convaincu dans ce qu'il y croit, il connaît ce qu'il y croit là, vrai. Il n'y a pas douté. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Bizarre, il y a un test là, une adversité là, pour prouver, pour tester. Dieu pour tester toi, le monde pour tester toi. Tu as un camarade pour tester toi, tu as l'ennemi pour tester toi. De différentes raisons. Pas pour la même, pas pour même motivation, pas pour même but, mais je teste pour là. Amen. Dieu pour permettre tant le test et l'épreuve, diable aussi pour venir pour amener ce test. Toi ban qui compte en toi pour tester toi ban qui pas compte en toi pour tester. Si tu es un homme convaincu, tu traverses tout. La maison est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Là nous trouve un dédimon, un prend sur la calo dit ça ben un bâtir sa maison sur le roc. Frères et sœurs, nous pouvons nous là plus tôt, peut-être dans l'autre prédication, dans plus profondément, mais il y a des lois qui existent. Il y a des lois dans la nature. Il y a des lois dans la nature. Il y a des lois qui concernent le monde animal. Il y a des lois qui concernent la nature, le monde végétal. Il y a des lois dans la nature. Il y a des lois morales. Amen. Il y a la loi spirituelle. Ça y a la loi là. Que ce soit dans le monde, sans qu'il n'y ait profondément, nous laissons ça pour un autre jour. Dans le monde naturel, dans le monde végétal, dans le monde animal, dans le spirituel, dans le monde pour la moralité et dans le monde spirituel, c'est pareil. La loi, il n'est pas respecté. Où il est? Où il a respecté lui? Dis amen. Pour un lagrin poussé, qui nous besoin faire? Hein? Qui nous besoin faire? Qui nous besoin faire un lagrin pour le pousser? Mettez-le dans la terre, les là. Arrose-le. C'est une la loi. C'est un principe inébranlable. Où besoin soumettant ça la loi là? Il y en a dans la nature ça. Ou prend ou la grain ou met dans une boîte condamnée ou met cadenas là-dedans. Une boîte ferraille, une boîte l'acier. Ou met cadenas, ou met là-dedans ou ferme la grain là. Li pousser? Qui ou ne fait? Ou pas respecter la loi. Ou alors un septième l'étage ou êtes en bas. Qu'arrive-vous? Et il y a la loi qui appelle gravité. Tout ce qu'ils ont envoyé, c'était littéralement en bas. Si vous allez dans la lune, dans l'espace. Et dans vos prières, ça, qu'arrive-vous? Ou allez, ou pas tomber. Qui fait ou pas tomber? Là-bas, il y a la gravité comme ici. Donc, il y a la loi qui appelle gravité. Ou bien respecter ça. Moi, donne-nous de la loi là. Mais comme ça, il y a une quantité. Dans le monde animal, dans le monde végétal, dans le monde moral, dans le monde spirituel. Nous pouvons expliquer ça en profondément. Un autre jour. Mais pour dire où que c'est parce qu'il me connaît, qui est vrai, qui n'est pas vrai, m'a convaincu dans mon cœur, qui si m'a fait ça, m'a tapé bonne, si m'a fait ça, m'a pour réussir, m'a connaît qui pour faire et qui pas pour faire. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Sa mission qui ne rentre sur la case, sur le roc. Là. Il peut obéir à la loi, là, lui. Et il connaît s'il met un l'étage, des l'étage, qui quantité béton et ferraille, il vous a mis en bas. Je veux dire, moi, amen. Celui qui a le bâtir sur le sable, là,
Kaba sou la kase plisoli. Non, etan ou gete, li ka plisoli tout. Plisoli lo di sa. Quand gete comme ça, ma extraordinaire. Mes frères et sœurs, ce qui est important là-dedans, c'est obéir à cette loi. Et n'a quitte chose dans la vie. Ça aussi, on pourrait venir l'Olaine l'autre jour. Et n'a quitte chose dans la vie. Bien changé, bien changé, bien changé. Et n'a quitte chose dans la vie n'a pas capable de changer. Vous n'avez pas sans rideau. D'ailleurs, nous pouvons changer la fin de l'année. Vous n'avez pas sans rideau. Nous n'avons pas. Qu'est-ce que nous avons dit? Comment tu vis? Comment tu vis? Comment tu vis? La livre jolie, nous avons dit first class. Merci Seigneur, nous sommes bon. Nous sommes. Vous trouvez, nous avons dit dans sa l'église là. Vous n'avez pas sans la peinture. Tous les années, vous n'avez pas sans la peinture. Vous n'avez pas sans tous les années. Colonne, nous changer. Nous casser colonne, nous mettre l'autre. Si nous casse colonne, qui arrive dalle. Sa colonne là, sa dalle tini le colonne. Colonne, quoi tini? Sous bassement, en bas là, ça s'appelle fondation. Ça, ou n'a pas changé, ça, mais. À part ça, vous cassez tout. Vous êtes d'accord, moi? Mais dans nous, la vie aussi, il y a une fondation. Il y a une colonne. Pas vrai? Une base solide. Et on a dit, mon sans ça même tous les jours. Et non, il n'y a pas sans Eli. Il n'y a une base. C'est nous avons une prophétie qui a dit ce message là aujourd'hui. Ça a des messages là et que sa prophétie là, il y a l'ensemble. Merci Seigneur. Alléluia. Qui toi, dans qui te crois? Alors, et n'a pas dit, mon ne pas agir par conviction, je t'agir par dans le doute et par préférence, ils préfèrent. Zodi, ils préfèrent rouge, demain, ils préfèrent blé. Zodi, ils content mange bouillani, légumes. Après, ils ne pas content légumes, ils content poisson. Après, ils ne pas content, ils récontent légumes là. Après, finalement, tu te dis, mais qui m'a pour cuita? Légumes, poisson, la viande, qui a été bouillani, tu es content? Vous connaissez qui est là? Qui pleut? Et t'as fatiguement. Hein? Et t'as fait doulpiti, il est doulpita. Mais ça veut dire. T'as pas connu. Vous connaissez pas qui te dit moula qui ou dit Oli? Allez, allez réfléchir. Quand t'as venu te dire moi, chia. Un djimoun convaincu, il n'est pas difficile pour lui prendre décision. Le contraire, c'est le doute, frères et sœurs, le doute. Est-ce qui bon Dieu in dire qui pas gagne droit mange fruit dans jardin? Est-ce qui bon Dieu empêche toi mange tout fruit qui te content? Il dit non, tu ne mal comprends. Bon Dieu in dire nous gagne droit mange n'importe qui fruit sauf sa pied qui te tout au milieu du jardin là, appelle ça l'ordre de la connaissance du bien et du mal. Si nous mangeons ça, nous pouvons nous pour séparer, oh bon Dieu. Alors la réponse, bon Dieu. Tu crois ça, toi? Bon Dieu connaît quand je te mange ça, je te lisais pour vert, je te connais le bien et le mal, je viens comme un déti bon Dieu, pareil comme Ali. À cause de ça, même il y a un peu, je te mange ça pour ne pas venir comme Ali. Ou tu veux comme Ali insinuer ce qui n'est pas bon? Léa là, qui Ève trouvait fruit joli. Plus joli qu'hier. Pas plus joli qu'hier, lui. Hier, c'est aussi joli qu'aujourd'hui. Qui peut passer sur la tête? Précieux pour vers l'intelligence, le doute fin rentré. Qui fait le doute fin rentré? Les parties convaincus. Ils vivent pas doute, ils vivent pas préférence, ils ne pas connaître côté qui était. Vous êtes avec moi, frères et sœurs. Nous lisons l'autre passage après dans le plus devant. Jacques, chapitre 1, verset 6 à 8. Convaincu. Moi, me convaincu. Me débouté. Me proclamé. Me dire. Me prêcher. Et me vivre ce qui me croit. Me faux. Verset 5, 6, 7, non? 6, 7, 8.
mais qu'il la demande avec foi sans douter. Celui qui doute, comment il était celui qui doute? Semblable vague la mer. Qui lui semblable vague la mer, lui? Il y a agité, il y a monté, il y a côte divan, pousse, il y a allé. Verset 7. Il est convaincu? Non, il peine la conviction. Il y a la connaissance? Non, il peine la soit sur connaissance, on va connaître quoi d'amène. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 7, verset 8. C'est un homme irrésolu. Qu'appelle résolu? Résolu veut dire conviction. Lit irrésolu, lit inconstant dans toutes ses voies. Zodi, lit content, dit mais il n'est pas content, après dit mais il est récontent. Alors, nous pas capables comme ça. L'apôtre Paul peut écrire plusieurs épîtres, mais il y a des épîtres qui sont importants, qui nous ont incité, l'épître aux Galates et l'épître aux Colossiens. Ban Galates, il vacille. Il préjoute la parole. Paul dit, moi, Paul, mon préjoute la parole de Dieu. Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Qui est arrivé? Qui se détourné? Ban Galat, tu bousé parce que je t'écoute un autre ban judaïsant qui t'y peut autre chose. Ban Colossien, pareil. Il bon faire une étude des pites Galates et pites Colossiens pour trouver comment ça a dévié. Tu peux dévier. Paul besoin créer des pites pour expliquer aux autres qui ne vous êtes convaincus dans les choses dans lesquelles nous disons nous croire. Amen. Alors, nous continuons le message pour nous capables de terminer à l'heure. Nous avons foulé le temps là. Conviction donne-nous l'assurance. La connaissance bizarre amène à la conviction par le Saint-Esprit. Et conviction donne-nous l'assurance. L'assurance pour donne-nous ce qu'il nous appelle une passion. Et sa passion-là, il dit la flamme d'amour l'équerre. Personne pas capable d'arrêter un démon comme ça. Unstoppable, lui donne nous courage pour endurer problème, l'épreuve, tentation, opposition. La semaine dernière, qui nous dit, nous besoin vraiment croire dans les choses dans lesquelles nous croire. Et psaume 97, verset 10, vous qui aimez l'éternel, haïssez le mal. Je ne suis pas content vrai, content menti en même temps. Je ne suis pas content bon, content pas bon en même temps. Je ne suis pas content Jésus, content le monde, content péché, tout en même temps. Je suis content la vérité, je haïs un mensonge, oui non. Si je suis content propre, je haïs ma langue, comment dire en créole, mal propre, pas vrai? Non, je suis content propre, si je suis content ma langue, ou si je suis content. Tu vas dire non, moi? Tu comment on a le temps de dîner? Hein? Si tu es content propre, tu n'es pas content mal propre. Si tu es content vrai, tu n'es pas content mensonge. Les visions comme ça, ça, frères et sœurs. Amen. Ainsi, l'assurance. La connaissance devient conviction, conviction devient l'assurance, l'assurance devient passion. Passion de nous endurance, de nous courage. Dire amen. C'est pourquoi les apôtres déboutent et disent, ben là, nous défendons absolument. Dire, te défendons absolument, mais nous. Nous pas pourquoi pas dire. Nous tenons la lutte entre ça, des groupes hommes là. Et ben là, déboutent les apôtres. Amen. Bon, vous donnez quelques exemples de trois hommes, mais qui pas dans l'évangile. Excuse-moi. Je te permets de moi. Dans l'histoire contemporaine, on ne va pas dire. Il y a un peu dans le monde politique. À cause de ça, moi, j'ai hésité pour donner. Ça va dire, frère, oui, il prêche l'évangile. Va dire, ça va nous faire là. Mais quelquefois, il est bon, pas vrai? Quand nous cause Martin Luther King Jr., quand nous cause Nelson Mandela, quand nous causons Mahatma Gandhi. Pas dans l'évangile. C'est ainsi. Mon cas continue, Modoni, non? Bandimoun qui nous encore rappelle, qui n'est pas capable d'effacer de l'histoire, ça. Martin Luther King Jr. n'a jamais fait une président des États-Unis, il y a. Mahatma Gandhi n'a jamais fait une président l'Inde. Il n'a jamais fait une premier ministre l'Inde. Il n'a pas gagné sa poste à titre là. Et qui ça nous cause plus? C'était des gens qui tiennent à conviction. Nous ne pouvons pas confier la Bible. Martin Luther King Jr., il fait une lutte contre
ce qui sera dans l'Afrique du Sud, comme Mandela, une espèce apartheid, comme a dit ben, le peuple noir, qui considérait deuxième classe, ban blanc, qui peut dominer ban noir là, comme a dit autres second class citizen, là, le thing junior fin live contre autres, il dit I have a dream, autres contre ce message, c'est un pasteur ça, pasteur Martin Luther King Jr., un pasteur baptiste, et qui fin lever. Et qui finit dire non, ban noir et ban blanc, ban humain, non. Et aujourd'hui, ils ont fini assassiner. Tout bon dit le monde tué. Tout, je ne connais pas qui faire. Hein? Ils ont assassiné. Martin Luther King Jr. assassiné pour une bougainzou. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous avons cause parce qu'il est débouté pour une cause. Vous êtes avec moi? Nelson Mandela, c'est un avocat, il reste 27 ans dans prison. Il est le premier président noir de l'Afrique du Sud parce qu'il dit que pour la même cause, ben noir il a droit. N'importe qui. Gandhi, dans l'Inde, jamais il est président Gandhi, jamais il est premier ministre, jamais il est ministre, jamais il est. Mais qui ça cause plus? Qui ça qui nous cause plus? Un diamant? Lui? Oui, non? Un petit bouc meg. Un gérer comme gros? Il fait l'Empire britannique trembler. Ça, mon parti pour dire ça, je vous dis, ah, yo frère, pas dans l'évangile, ça pas. Mais mon père, permette-moi de dire, encore, nous rappelle Dimoun pour sa conviction. Il dépasse tout ce grand titre là. Vous êtes avec moi? Frère, donne-nous l'exemple biblique, frère. Allez, d'accord, nous retournons avec nous la Bible. Moi, d'accord, vous êtes. Shadrach, Meshach, Abednego. Nous, encore cause à trois garçons là. Moïse dépasse beaucoup. Quand nous cause Moïse, quand nous cause David, nous cause un grand monde, mais quand nous. Shadrach, Meshach, Abednego dans sa liste là. Hein? Trois enzans qui tiennent à conviction. Je dis à les rois, nous pas besoin de rendre toi réponse, là, ce qui te dit à nous. Nous restons fermes dans nos convictions, nous croyons dans sa bondier là, au tout-puissant là. Tu es tout dans ton défi, tu pas tout dans ton défi, qui était qui te pouvait faire. Qui vous fait dire comme ça? Hein? Il dit, nous, bon Dieu, qui va délivrer nous. S'il n'est pas délivré nous, nous pourrons être fidèles. Nous, maintenant, vous êtes dans différents. Les rois n'ont que les vélos sur le trône. Il dit, combien sont-ils étaient? Maintenant, il y a trois. Il dit, on trouve quatre. Quatrième, là, il dit, comment dire, un fils de Dieu, lui, comment dire, un ange. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego. Conviction. Ben, dis-moi comme ça, pas perdre l'amour. Amen. Daniel dans la fosse au lion. Bien prier les rois pendant 30 jours. Je dis, moi, pas prier les rois, je prier bon Dieu. Moi, obéir les rois, je prier bon Dieu. Ben là, arrête-les, j'étais dans la fosse au lion. Lion vient toutou. Non, pas toutou, tissat. Terrible ça, hein? Bon Dieu, papa, oh. Ben, dis moun qui ne restait. Alors, moi, nous avons assez l'exemple. Ça, ben, dis moun là, pas capable de décourager. Ça, ben, dis moun là, pas capable de manipuler. Ça va dire là, pas capable intimider. Ben dit mon comme ça, vous donnez 100 millions de roupies aussi, ça vous dire au garde ou casse, mon reste. Pas capable intimider, manipuler, embêter, arrêter, décourager, faire peur. Je te connais dans qui je te crois. Vous êtes avec moi aujourd'hui? Ah, frères et sœurs. Une lettre pour nous terminer? Toi? Toi? Qui toi? Toi qui toi? Maman connaît moi qui moi. Est-ce qu'il te peut vaciller, te pas connaît que tu étais? Sa bonne conviction là, nous finissons à prendre avec nous Seigneur Jésus, sa parole. Li parti de nous-mêmes, li faire, n'est pas difficile pour choisir. Pas vrai? Tu es d'accord moi? Entre le monde et l'église, comme la prophétie dit, mon n'a pas connu des enzans. Mais mon ami, normal, tu pour ton problème. Normal, tu pour ton problème. Dans les petites choses, comme dans les grands moments, sans compromis, ni avec nos amis, ni avec nos ennemis. Et nous ne pouvons pas dire que tu es mon camarade, ou toi. Mais moi, il y a mon principe. Écoute-moi bien.
à choisir entre nous l'amitié et mon principe, mon bien sagrin pour dire toi, mon pour choisir mon principe, quitte à sacrifier nous l'amitié, à toi de choisir. Celui qui sacrifie ce principe pour une soi-disant amitié, il vous mord sur les doigts plus tard. Parce que c'est le même camarade là pour qu'il te lit après. Sans compromis. Amen. Romains 12, verset 1, 2, même je ne pas mettre mais je vais mettre lui, dit à nous, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence, c'est qui dit revenir avec un message comme ça. Alors, vite, vite, là, dans des minutes, nous dire quelque chose, nous guettez, ce n'est pas vrai, nous croire là-dedans, mais pour tester les autres, là. Bizarre test, bizarre cyclone, bizarre, vous avez l'être divan souffler, tout cela, pour tester. Dieu pour tester toi, Job aussi pour tester toi, Zom pour tester toi, camarade pour tester toi, l'ennemi pour tester toi, tout pour tester toi, la vie pour tester toi. Mais si tu es un homme de conviction, tu es un tôle. Je connais qui me croit dans qui me croit. Allez, moi, j'ai des affaires. Est-ce qu'il te croit quand tu rentres dans le lieu secret? Jésus dit, rentre dans le lieu secret, ferme-toi la porte, prie et te bondis, ton papa qui trouve dans le lieu secret pour répondre toi. Est-ce qu'il te croit là-dedans? Mais qu'est-ce que tu vas prier? Deuxième. Des ou trois rassemblés dans mon nom au milieu des autres. Est-ce qu'il te croit là-dedans? Mais qu'est-ce que tu vas donner avec ta femme, te prier? Avec ta bonne famille? Nous, tous les vendredis, nous prions ensemble, la famille, moi, 16 années, mes enfants, mes petits-enfants, parce qu'ils nous tiennent à réunion vendredi, si Péna, nous gardons au moins une fois la semaine, famille Christophe, ensemble, nous pouvons prier, vendredi. Qui fait? Il y a moi qui fait? Nous croyons là-dedans? Amen. Tu connais une appli de joie qui a de donner que de recevoir? Mais qui va te pas donner? Tu connais quand tu mets tes genoux en bas, le ciel vient à te rencontre. Amen. Amen, frères et sœurs. Tu crois quand tu honores l'Éternel avec tes biens, tes prémices de ta revenu, Dieu pourra toi en retour, il pourra pouvoir tout ton besoin. Est-ce qu'il te croit? Si tu mets bon Dieu, premier pas, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses te seront données par surcroît en plus. Est-ce qu'il te croit là-dedans? Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et ce disant, il efface nos péchés. Frères et sœurs, nous dire, nous croire, moi pas connais. Est-ce qu'il vrai même nous croire dans ce qu'il nous dit à nous croire? Amen. Et n'a pas mis nous, écoute-moi là. Si tu écoutes-moi là, maison, moi bien content. Toujours, c'est une manière. Mais seulement, il y en a qui besoin là. Il y en a qui besoin hier, samedi. Peut-être il y en a dans tous les quatre cultes de Libaboula. Là, parce que je te crois dans le fait que quand le peuple rassemblé ensemble, il y en a bénédiction. Vous êtes avec moi? Ça me sent là une bénisote? Alors nous dit avec l'apôtre Paul. Qui l'apôtre Paul dit? Je sais en qui j'ai cru. Amen. Pas difficile pour me prendre décision. Ah, en la nuit, je peux dormir, je ne connais qui pour faire tout le balance en décoté. Hein? La parole de Dieu éclaire nous. Conviction. Les apôtres, unstoppable, pas capable d'arrêter. Comment vous arrêtez beaucoup ma Pierre? Comment vous arrêtez Paul, l'apôtre Paul? Comment vous parlez de Sadrach, mais ça qui a bête négo? Dis-moi un coup, comment vous parlez de Sadrach, mais ça qui a bête négo? Les rois, ils disent, tiens, les autres. Amen. Les rois donnent de promotion, tout. Comment vous parlez de Daniel? Hein? Étienne. Des hommes convaincus. Ça même qui nous manquait là. À nous prier le Seigneur. Oh, rapacanto, ou rechedest. Oh, rababaka.